Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter le seul nœud que vous devez connaître pour attacher vos leurres. J'utilise ce nœud aussi bien pour attacher une tête plombée qu'un poisson nageur ou même une agrafe. Un ami m'a montré ce nœud il y a presque 10 ans et depuis je l'ai toujours utilisé et j'ai jamais eu de soucis. Ce nœud, c'est le Uninote. Il est très solide, plus solide qu'un simple nœud cuillère par exemple. Plus vous allez tirer dessus, plus il va serrer. Le nœud ne glissera donc jamais. Il est très rapide à réaliser et il consomme très peu de fluoro. Contrairement à certains nœuds comme le palomar, où vous avez besoin de faire une grande boucle pour pouvoir passer vos leurres dedans. Pour la réalisation, c'est très simple. Ici, j'ai pris un anneau pour symboliser donc un anneau brisé ou votre hameçon ou votre TP, enfin, peu importe. Une corde pour symboliser le fluorocarbone. Vous passez donc dans l'anneau. Vous prenez un excédent plus ou moins long. Ça va dépendre du diamètre de votre fluoro. Avec l'excédent, vous allez revenir en arrière pour former une boucle. Comme ceci, donc en passant au-dessus des deux brins. Et l'excédent, vous allez passer dans la boucle que vous venez de faire en tournant autour des deux autres brins. En général, je tourne 4 fois. 3, 4. Ici, on peut déjà commencer à serrer. Voilà. Et donc voilà, le nœud est déjà terminé. Plus vous allez tirer sur ce nœud, plus il va se serrer et plus il va être résistant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à des amis qui ne connaissent pas encore ce nœud. Si la vidéo t'a aidé, laisse-moi un like et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!